où on est? On est dans les ruines entre guillemets de l'hôtel Torrance. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'hôtel que l'on voit dans le début d'Envoyé spécial avec Seth et Sentinelle. Donc à leur époque, c'était assez bien conservé. Vous allez voir maintenant, il y a, enfin vous allez voir, je peux même pas expliquer, c'est un peu désolant. On est déjà déçus. Allez, c'est parti pour la visite. Là, si je t'ai dit en deux mots, tu me réponds quoi? En deux mots, non, j'ai envie de repartir, Kat. Voilà. Ah, toi, t'as envie de repartir parce que t'es pas rassuré. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est que bon, ben voilà, t'as des pièces vides. Pourtant, c'était alléchant qu'on voyait avant. On arrive trop tard encore, mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Ah, tu te demandes qu'est-ce que je fais là, hein? Ouais. Bah, disons que l'hôtel Torrance, ça a été écourté puisque, comment on peut dire, on s'est fait avoir. Enfin, pas nous personnellement, on était en fait deux groupes. Ils sont rentrés en premier, on est rentrés en deuxième, ils se sont fait avoir en premier, on s'est pas fait avoir, tout simplement. Donc l'hôtel Torrance, on va faire le mot de la fin également. Plus rien à voir. Donc je déconseille, on peut encore y aller, mais vraiment, c'est vraiment triste à voir. L'avenir du bâtiment. L'avenir, je ne sais pas. Le présent, par contre, donc il y a du paintball qui s'y joue. Donc à l'extérieur, surtout à l'intérieur, je sais pas, j'ai pas vu de bits de peinture au mur. Et voilà ce qu'on peut dire pour l'hôtel Torrance qui était malheureusement un très bon spot. Mais qui n'est plus. Voilà. Bon, la suite au prochain épisode. Allez, salut!